Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je te propose 5 jeux pour apprendre l'alphabet arabe. Alors commençons tout de suite avec les 3 premières lettres. La première lettre s'appelle Alif. Le Alif, c'est en réalité cette barre que tu vois ici. Au-dessus, on a ce qu'on appelle la Hamza. Et c'est ce son-là qui va nous intéresser pour l'instant. Voyons d'abord la prononciation de la Hamza en début de mot. Si un mot commence tout de suite par le son A, ou « ou encore I, ça voudra dire qu'il commence par un alif surmonté d'une hamza. C'est le cas par exemple dans Arnab. Arnab. Le mot Arnab commence par un A. C'est donc un alif surmonté d'une hamza. Arnab signifie lapin. Même chose pour le mot OUM. OUM. Il commence par le son OU. Et donc encore une fois, un alif surmonté d'une hamza. OUM, c'est la mer. Enfin, c'est le cas du mot INA. INA qui commence par le son I. Encore une fois, il commence par une voyelle et donc un elif avec une hamza. Mais ici, on remarque que la hamza se place en dessous du elif. Donc, lorsque le mot commence par un I, la hamza descend en dessous du elif. Donc, pour récapituler, si tu entends un mot qui commence par le son A, OU, ou encore I, cela veut dire que le mot commence par un elif avec une hamza. Passons à la lettre suivante. C'est la lettre BA. BA. Comme dans Boston. Boston. Un jardin. La troisième lettre de l'alphabet est la lettre TA. TA. Comme dans Tout. Tout signifie framboise. Voilà pour les trois lettres. Maintenant, lisons-les ensemble. Répète après moi. ELIF. BA. TA. Elif, ba, Ta. Maintenant, entraîne-toi à les mémoriser avec ces cinq petits jeux. Jeu numéro 1. Retrouve les trois lettres cachées. Vois-tu les trois lettres que nous avons apprises Je te laisse 10 secondes pour les retrouver. Voici la réponse. Le Elif se trouvait ici sur la brique de jus d'orange. Le Ba était ici dans le cadre sur l'étagère. Et le Ta ici sur le tableau au-dessus de la Karba. Passons maintenant au jeu numéro 2. Écoute et choisis la lettre que tu entends. Parmi ces propositions, quelle lettre entends-tu dans le mot ithnan", ithnan"? Le mot commence par un i et donc en arabe il s'agit d'un alif avec une hamza. Précisons que la hamza se trouve en dessous du alif parce que c'est le son i et pas le son a ni le son ou. Passons au mot suivant. Quelle lettre entends-tu dans le mot tamr? Tamr. Tamr. On entend la lettre ta au début du mot. Mot suivant. Quelle lettre entends-tu dans le mot BAB bab, BAB On entend la lettre BA au début et à la fin du mot. Quelle lettre entends-tu dans le mot Assad Assad Le mot commence par le son A et donc il commence par un alif avec une hamza. Quelle lettre entends-tu dans le mot BINT Bint. Bint. On entend la lettre TA à la fin du mot. Enfin, quelle lettre entends-tu dans le mot tedge, Taj. On entend la lettre TA en début de mot. Passons maintenant au jeu numéro 3. Il s'agit du jeu du mémory. Je te laisse 5 secondes pour mémoriser la place de ces lettres. Je commence par retourner une carte. Est-ce que tu te souviens de quelle lettre il s'agit Il s'agit du Elif. Te souviens-tu de la place du deuxième Elif Le voici, Elif. À présent, je retourne une deuxième carte. De quelle lettre s'agit-il C'est un bas. Où se trouve le deuxième bas Le voici. À présent, il ne reste plus que deux cartes. C'est donc forcément la même. Mais te souviens-tu de quelle lettre il s'agit Il s'agit de la lettre TA avec deux points au-dessus. Bravo si tu as réussi cet exercice. Si tu ne les connais pas encore, ce n'est pas grave. Il te reste encore deux petits jeux. C'est maintenant l'heure du jeu numéro 4. Mais avant de passer à ce jeu, j'aimerais te parler d'une série de vidéos que j'ai conçue pour les enfants. C'est une série dans laquelle tu vas apprendre l'alphabet en entier. Tu vas apprendre à l'écrire, à le lire et à le prononcer. Une fois que tu auras maîtrisé la lecture, tu commenceras à parler l'arabe. Tu apprendras à parler de ce que tu aimes, de ce que tu veux, de comment tu te sens, mais aussi à te présenter, parler de toi et nommer plein d'objets que tu rencontres dans ton quotidien. Bref, tu vas commencer à parler l'arabe littéraire un peu chaque jour. En plus de cette série de vidéos, tu recevras un fascicule qui te permettra de prendre des notes sur ce que tu apprends. Tu auras également des petits exercices d'écriture et tu retrouveras tous les dialogues étudiés dans les vidéos, ce qui t'aidera à les apprendre par cœur et pouvoir à ton tour faire des phrases tout seul. Le lien pour obtenir toutes les vidéos se trouve dans la description. Donc n'hésite pas à en parler à tes parents si tu souhaites bénéficier de cette formation. À présent, reprenons le jeu numéro 4 qui s'intitule Trouve l'intrus. Parmi cette liste de alif, trouves-tu l'intrus Ce alif est le seul qui a la tête en bas, façon de parler, c'est-à-dire que la hamza se trouve sous le alif. Trouve l'intrus parmi toutes ces lettres. Nous avons plusieurs fois la lettre BA, sauf celle-ci qui est la lettre TA. Trouve l'intrus parmi ces lettres. Ce sont tous des tas sauf cette lettre qui est un BA. Passons au cinquième et dernier jeu. Ce dernier jeu s'intitule Mémorise la chaîne. Ici, je te donne deux lettres dans l'ordre ALIF et ensuite BA. Attention! On commence à lire par la droite. Ensuite, je cacherai ces lettres et tu devras les redire dans le même ordre. Au début, c'est facile car tu n'as que deux lettres. Mais attention, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de lettres à mémoriser. Alors, tu es prêt C'est parti Alors, quelles étaient les deux lettres qui apparaissaient juste avant Oui, il s'agissait de Elif Ba. Maintenant, mémorise ces trois lettres. Alif, ba, ba. À ton tour. Il fallait dire alif, ba, ba. Chaîne suivante. Alif, ba, ba, ta. À ton tour. Il fallait dire alif, ba, ba la chaîne suivante est elif ba ba ta elif à ton tour il fallait dire elif ba ba ta elif voici la chaîne suivante À ton tour. Il fallait dire alif ba ba ta alif ta. Bravo, tu as terminé tous les exercices. Si tu veux aller plus loin et accéder à la série de vidéos Mes premiers cours d'arabe, tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Tu peux t'inscrire dès maintenant avec l'accord de tes parents et on se retrouve très vite, inshallah.